W9 diffuse ce dimanche 13 novembre le film Babysitting, 2014, avec Alice David, Sonia, Enzo Tomasini, Rémi, Philippe Lachaud, Franck, Vincent Dessagna, Ernest, Tarek Boudali, Sam, Clotilde Courault, Claire, et Gérard Jugnot dans le rôle de Marc Chaudel. Depuis 2015, Gérard Jugnot vit un amour sans nuages avec l'illustratrice Patricia Campi, une jeune femme de 30 ans sa cadette avec laquelle il s'est marié en 2016 à Pourprolles dans le Var, voir les images du mariage dans notre diaporama. Chez nos confrères de Femmes Actuelles, l'acteur de 51 ans avait même confié s'être marié sous les conseils de sa star de fils, Arthur Jugnot. Mariage pluvieux, mariage heureux. J'avais soumis l'idée à mon fils, t'as jamais fait cette connerie, vas-y. J'ai suivi son conseil et je ne suis très heureux, avait-il dit. En juin dernier, son fils s'est lui-même marié avec Flavie Péan, ex-Victoire dans Plus belle la vie sur France 3. Sa mère Cécile Magnan, ex-femme de Gérard Jugnot, était également présente. Déjà 8 ans d'amour pour Gérard Jugnot et Patricia Siesti sur le tournage du film Entre amis d'Olivier Barou que Gérard Jugnot et Patricia, alors juriste employé à la mairie de Marseille, se sont rencontrés à l'été 2014. Une rencontre qui marque le début d'un coup de foudre entre l'acteur et la jeune femme. Auparavant, Gérard Jugnot était en couple avec l'actrice Saïda Jawad avec laquelle il est resté 10 ans. Nous nous sommes séparés parce que nous étions arrivés au bout d'une belle histoire. Et si est-il là? D'ailleurs, si est-il elle qui est partie et je n'aille pas de honte à le dire. Moi, j'ai été très heureux avec elle, je n'aille jamais souffert du fait qu'elle soit une actrice et nous nous sommes quittés en bons termes, avait témoigné l'acteur chez nos confrères du Figaro en décembre 2014. Avec sa belle Patricia, Gérard Jugnot n'hésite pas à faire quelques apparitions publiques notamment lors du dernier festival de Cannes en mai dernier où les deux tourtereaux sont apparus main dans la main affichant une belle complicité.